Ma mère m'avait déjà dit, quand j'ai rencontré Gilles, que je n'avais pas choisi l'ampoule la plus éclairante de la boîte. Et avec les années, on dirait que ça se confirme, il faut toujours se fier à sa mère. Le meilleur exemple, c'est cette stupide histoire de chantage. Gilles est comme un petit chien, il pense qu'il est plus gros qu'il ne l'est en réalité. Il grogne pour faire peur, mais tout le monde sait bien qu'on peut le tasser un petit coup, qu'on peut le tasser d'un petit coup de pied. Il veut faire chanter Hamilton, faire chanter le grand patron. Il faudrait qu'il se lève tôt, mon Gino, pour faire chanter une grosse poche de Montréal qui a de l'instruction et de l'influence. Le pire dans cette histoire de chantage dans laquelle il s'est plongé comme un cheval à court dans son écurie en feu, c'est que mon Gilles ne sait pas trop en quoi il fera chanter William et Hamilton. Et en plus, il n'oserait pas. Il menace comme ça dans la cuisine. Il me dit qu'il le fera, mais moi je sais une chose, celui qui fait chanter quelqu'un se nomme maître chanteur, et Gilles n'est pas un maître du tout. Il est et sera toute sa vie un esclave. Je regarde parfois son coffre dans l'entremure où il cache ses documents compromettants, et je me dis que tout cela est une farce. Ok. Il y a une deuxième page. C'est vrai qu'il faut encore que Hamilton découvre le coffre-fort dans lequel tout ça est encastré. Et tout ça est entassé, pardon. Le problème, c'est que Gilles lui-même a tendance à oublier la combinaison. Pour s'en souvenir, il s'est fait un truc. La première lettre du prénom de son père est suivie de trois petits chiffres. Il a fallu que je grave à l'arrière de son qu'il a fallu que je grave à l'arrière de son pendentif. Qui sait dans le monde qui ne peut pas mémoriser trois chiffres? Mon Gilles, évidemment. Ok. Octobre. Gilles dort mal. Il donne des coups dans son sommeil. Je lui avais dit que ça le stressait, cette histoire-là de chantage, mais c'est ça le problème avec les imbéciles. T'as beau les secouer, ils sont certains d'être les seuls génies de l'humanité. Hamilton va tout découvrir et on va être cuit. Il faudra déménager à Val d'Or et vivre avec le menu fretin. Je tremble en écrivant ces lignes. Je ne peux pas croire que je me fais complice de cette tragédie. Je n'ai rien fait. Pourquoi je me sens si coupable? Pauvre fille, attends. Pauvre fille, pauvre si jeune fille. Ah. Ok, il n'y a que deux pages. Et je pense que tout le monde en est content d'ailleurs qu'il n'y ait que deux pages. Hop. Et voilà. L'aspirine. Bon, j'allume le feu, c'est pour... Ah. Ok, j'ai un steak. Peut-être le faire cuire. Je suis pas sûr. Je crois que j'ai récupéré les bûches, mais je crois que j'ai toujours le bout de pain. Moyen de fermer cette fenêtre.
T'as même le rideau, il a gelé, quoi. Bon. Ok. Donc, il me manque seulement le nom de son père. Examiner. Ah, les aléas du déménagement. Vous trouvez le tourne-disque, mais les disques, eux, dorment encore quelque part dans une boîte. Des dominos ? Ah. Mais il y en a un qui est coupé en deux, c'est bizarre. Le magasin général ainsi que plusieurs autres infrastructures de la région ont été acquis par le riche industriel William J. Hamilton. Le village devra-t-il être rebaptisé Hamilton? William? C'est ça le... Attendez. Fondé par Bertrand Lachance. Ok, donc c'est un B. La chance qu'il y a plus de 20 ans, le magasin, hein, c'est la chance. Hein. Bon, je pense qu'on s'en fiche un petit peu. Ce qu'il nous faut, c'est le nom. Bon, je le lis quand même. Fondé par Bertrand Lachance, il y a plus de 20 ans, le magasin général, dit chez Lachance, est un pilier économique de Mastan. Or, depuis le décès du vieux propriétaire, il semble que les choses n'allent plus rondement. Gilles Lachance, héritier de l'humble établissement, a dû se résoudre à vendre au riche et bien connu William Hamilton. Rappelons que ce dernier a causé une importante polémique l'an dernier avec la réouverture et l'agrandissement annoncé de la mine de cuivre. Rien n'indique que le magasin général changera de vocation avec son nouveau propriétaire. Vous croiserez même le bon Gilles Lachance qui tient encore la caisse du commerce. Ce modèle-là de coffre-fort, Carl le connaissait. Avec son double système de lettres et de chiffres, il fallait être un redoutable cambrioleur pour en casser le code. Alors c'est un B, ça c'est sûr. Donc, après, ce qu'il me faut... C'est les fameux chiffres là. Alors, inventaire. C'est pas là, c'est dans document. Le collier. 739. Je me souvenais plus. PID, ensuite on a 7. Bon, encore de la lecture. William Hamilton est une crapule comme Séraphin. Poudrier, il fait chanter tout le monde dans le village en commençant par moi-même. Ce document contient toutes les preuves des pots de vin versés par Hamilton aux autorités fédérales dans le cadre de l'acquisition de sa maudite mine. Qu'il ait utilisé ses hommes de bras pour faire peur à tout le monde par ici n'aurait aucune véritable incidence pour les grands tribunaux de Montréal. Mais s'il a graissé la patte à monsieur les ministres, ce sera une autre paire de manches. Je vois d'ici là une des journaux. Les Anglais sont tous les mêmes, nous vaincrons. Ajouté avec une autre encre. Hamilton n'est pas une crapule, c'est un assassin. Je ne crois pas en ses remords. Je crois qu'il va payer cher pour son crime. Je ne crois pas trop à la magie des Américains. Mais je crois en leur vengeance.
Il n'y a pas de deuxième page. Ok. Non, il n'y a pas de deuxième page. Ok. Mais concernant l'épreuve, tu repasseras. Les lieux semblaient en transition, c'est-à-dire dans le plus profond désordre, presque inhabitable. Un vrai chantier. Carl n'avait pas besoin d'en appeler à ses dons de détective pour deviner que les Lachance venaient à peine d'emménager. Les boîtes fraîchement débarquées en témoignaient. On va commencer par ça. Beau portrait de Gilles et Gisèle, retenu par les chaînes de l'amour conventionnel. Boîte de romans d'Arlequin. Ok. Cigarette. On est vraiment coupé de tout. Remplir la bouteille. Maintenant, on a une bouteille d'eau. On dirait bien, songea Carl, qu'on a laissé longtemps la fenêtre ouverte. Ça semblait étonnant par ce froid. Ok, je pense qu'on a fait le toit. Rien n'était cuit. Le pot était froid. On aurait dit que la pauvre Gisèle m'y tenait un repas avant de geler. Il n'y aura personne pour manger ce ragoût-là. Revérifier. Il y a une cigarette là-dedans. Ok. Bon. Je peux voir mon état de... Ouais, ok. Je peux voir mon état ici. Je voulais voir mon état de santé, surtout mon état de température corporelle. Donc, jusqu'à... Je vais retourner voir dans la salle de bain rapidement, mais... Ah, avec tous les pinceaux, il y a de quoi peindre la maison en entier, ok. C'est bon, j'ai plus de bouteille vide. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour, hein. Non. Personne ne viendrait plus remplir les trous de ce casse-tête. D'accord, cette porte-là s'ouvre à l'intérieur. Ok. Attendez. Il y a un truc que je voulais voir. Je vais en garder que deux. Je vais en garder... Non, en fait, faut pas que j'en garde que deux. Je vais les reprendre.
Je vais les mettre dans ma voiture. Ce sera plus simple. Alors, entreposer. Alors, des bûches. Hop. Voilà. Je vais moi en déposer 3. La caisse de secours, je vais la garder sur moi. C'est quoi ça? Ouais, non, ça, ça pèse que dalle. La scoupante, je pense que j'en aurais plus besoin avant bout de temps, mais bon. Alors, la tenaille et les pinces, pour le moment, je les laisse là. Si je sais qu'elles sont là, si jamais j'ai besoin. Et voilà, je me déleste un peu. Et même j'ai envie. Vous savez quoi? J'ai envie de me prendre un petit stock de bois. Je vais me prendre un petit stock de bois. L'inventaire est plein. Comme ça. Je peux directement... On va faire plusieurs allers-retours. Mais c'est juste pour être sûr que je tombe pas à court de... Ok. Je sais pas combien j'en... Allez, ça va être la dernière. C'est vraiment histoire que j'ai de quoi faire du feu, même s'il me faut encore des allumes-feu, des trucs comme ça, que je n'ai pas. Regarde combien j'en ai. J'en ai 12. Ça devrait le faire. C'est quoi ça? Des allumes-feux. J'ai un allume-feu là-dedans. Je vais le garder sur moi. Pourquoi j'en avais deux? Ouais. On va le garder sur soi. Ok, ma bouteille d'eau peut un peu réaugmenter mon moral. Je vais juste refaire un aller-retour, hein, je suis désolé, mais je vais, hop, juste me remettre à fond en température. Et en moral, si je peux réaugmenter mon moral suffisamment. Ok, nickel. C'est quoi ça? Cendrier? Allez, on est parti. Je vais retourner à la maison. Ou alors, la suite. Alors. Donc là, je suis à cette maison-là. On va voir la maison en face. Ok, petit temps de chargement.
Donc ça va être ça, hein. Ça va être de l'exploration, ça va être... Et on va suivre une histoire. Oula! Maison des Bédards. Il y a une grange et il y a une maison. On va commencer par la maison. Carl n'était pas un cambrioleur. Okay. Il n'entrait pas dans les maisons en cassant les carreaux des fenêtres. Plus habilement, en bon détective, il trouvait les clés là où les âmes naïves les cachaient. Alors... matériel. Un bon catholique ne succombe pas aux tentations du monde d'ici-bas. Visiblement, songea Carl, quelqu'un dans cette maison n'avait pas la vertu prescrite par la Sainte Bible. J'ai évité le bruit parasite, hein, vous m'excusez. Je vois où... Non, non, je... Ouais. Une bouteille vide. Du gasoil. Je m'en fiche, hein. Je pille un petit peu, mais... Délicieuse confiture aux fruits. J'en veux, j'en veux, j'en veux, j'en veux. Pardon. Non, j'ai cru qu'il y avait un carré, mais non. Ok. Alors, bidon d'essence. Le matériel, pour le moment, j'en ai pas besoin. Alors, je vais le laisser là-dedans. J'ai un steak sur moi, je sais pas à quoi il peut servir, mais... J'ai une bière? Où est-ce que j'ai chopé une bière? Le gars, c'est mon moral des centraux, je peux toujours utiliser ça. J'ai également de quoi, normalement, allumer un feu. Bah. J'ai pas chopé les clés? Alors, compliqué. À quoi bon verrouiller sa porte si tout le monde cache sa clé au même endroit? Carl sentait que sa vie d'enquêteur manquait de défi. Allez, je confirme. C'est tellement prévisible. Il y avait dans la maison une sorte de parfum d'encens. Ça sentait le bon Dieu et la paix. À l'époque, la religion était très influente au Québec. C'était d'ailleurs étonnant que Carl n'ait pas vu de chapelle depuis son arrivée. Alors, j'allume le feu, c'est vraiment parce que je veux une source de chaleur toujours à proximité et garder un moral le plus élevé possible. Ouais, je voudrais pas qu'il fasse une dépression, mon gars. Je sais pas, le crépitement, je le trouve là. Le crépitement est plutôt agréable. Ok, il y a encore des steaks. Non, non, non. Ah si, d'accord, ok. Ouais, je pensais que... Je pensais qu'on voulait encore chourer une bière, mais... Bon, il y a des steaks. Ils sont crus. Attacher une corde. D'accord, il me faut une corde. Question, je vois ici ou pas? Non, je vois rien. Mais bêtement, est-ce qu'il n'y a pas un interrupteur?
Si. Qu'est-ce qui me bloque? Voilà. Ok. Ouais, on y voit déjà plus clair. Comment a-t-on dessiné le soleil? Bah ouais, comment tu fais ça avec ce genre de truc? T'es obligé d'avoir un trait qui part de quelque part. Non, c'est n'importe quoi. Ok, la gazinière est vide. Encore des allumes-feu. Ça va, je pensais que faire du feu, ça serait un peu plus un problème. Ok, j'ai des pellicules pour mon appareil photo. Ça, c'est cool. Aucun son sur la ligne. Ah ouais, là, c'est vraiment coupé, j'ai coupé. Hop. Lumière. Ok, ici. Les autres ne se... Qui a dit que les girafes ne vivaient pas au pôle Nord? La mode des jouets est très étonnante. Sophie la girafe. Ah là là, qui n'a jamais eu ce jouet? Étant enfant. Vraiment très très enfant. L'amour de la religion et des ancêtres. C'était le double culte des anciens Canadiens, auquel appartenaient visiblement les Bédards. Ok. Oula. Mère Bédard devait passer ses journées à frotter toutes ses couches salies par ses enfants. Disparaître comme ça avec un bébé sur les bras, ça devait pas être sans danger. Un berceau vide. C'est ouais. Toujours émouvant. Donc ils ont disparu, hein. J'avais pas confiance parce que la pièce était vraiment sombre. Sachant que pour les besoins de la vidéo, j'ai augmenté à fond le... Mais je comprends pas, il n'y a pas d'ampoule dans cette pièce? Allons-y, un peu de lecture. Les Bédards avaient déserté la place. Carl songea que ces gens-là ne seraient d'aucun secours. Ok. 14 août 1970. Jean-Luc n'a jamais été très bon avec les mathématiques. Il aurait beau compter et recompter, il ne devinerait jamais qu'il ne peut être le père de l'enfant que je porte. Mais comment le savoir? Comment être sûr? Je garde le secret du fruit de mon ventre jusqu'au moment où je pourrais sans crainte quand. Le docteur Beaupré m'a dit que la chose commençait à paraître peu. Qu'il faudrait bien que je le relève, que je le révèle. Il faut du courage, dit-il avec sa méchanceté habituelle, pour faire face à la danse. Il ne comprend rien à mon trouble. Pour lui, je n'ai eu qu'une puérile aventure. Il ne sait pas que je viens de me condamner aux enfers éternels. 14 septembre, Marie est très malade. Jean-Luc est au désespoir. Je ne lui ai encore rien dit du mal qui pousse en moi. Parfois j'ai l'impression que son regard me perce à jour. Je sais que Marie souffre à cause de ma faute. Dieu miséricordieux. Pourquoi faut-il que les enfants paient pour les fautes de leurs parents? 24 septembre, Marie est rétablie, mais elle est plus grave qu'auparavant, toujours triste, comme si elle avait deviné ce que c'est que de mourir. J'ai peur d'avoir fait d'elle une enfant malheureuse. Jean-Luc m'a honoré il y a deux nuits. Si je porte le bébé à terme, le docteur Beaupré pourra peut-être convaincre Jean-Luc que c'est une naissance prématurée. C'est ma faute
C'est ma seule porte de sortie. Nous partons chez la mère de Jean-Luc. Au lac Saint-Jean, il le faut, il est devenu intenable, nous craignons le pire. Et j'ai obtenu 10 pellicules de... enfin, 10 pellicules de Polaroid en plus? Ou c'est resté de tout à l'heure? Je crois que c'est resté de tout à l'heure, je crois que ça bug l'affichage à droite. Merci. Alors, Froluche. Ça me parle ça. C'est pas un personnage aussi connu en France ça? Ça me parle. Je sais pas, le personnage me parle. Enfin, ça c'est de... Une future artiste qui affiche ses œuvres. Ouais. Si on veut. Par contre, l'oreiller pour une enfant, ouais, est pas très très propre, hein. C'est quoi? Tirer des morceaux de tissu. Je sais pas, c'est très bizarre. Journal de Marie. Dommage que la famille ait pris la poudre d'escampette. Carl aurait eu une ou deux questions à poser à Jean-Luc, ce grand ami de Hamilton. D'accord, il était ami avec Hamilton. Allons-y, on continue la lecture. Attendez, excusez-moi. Je m'étire un peu. Alors, comme maman, j'écris mon journal. Mais je ne le fais pas avec une face de carême comme elle. J'aime écrire ce que je pense. J'aime surtout Martin. J'aime parler de lui. Je crois qu'il m'aime aussi, comme dans Roméo et Juliette, parce que c'est un biais qu'on préfère, parce que c'est un blé qu'on préfère. Hein. C'est un blé. D'accord. On préfère que je ne le fréquente pas. Ah d'accord, parce que c'est un blé, c'est un nom de famille, blé. D'accord, ok. On préfère que je ne fréquente pas, comme dans Roméo et Juliette. Rien ne nous empêchera de nous aimer. 18 août. Je n'ai plus faim, je ne dors plus. Oh là, ok. Je n'ai plus faim, je ne dors plus. À toute heure du jour, je suis traversé par un grand frisson. Papa me fait voir par le docteur Beaupré, qui me touche partout avec ses grosses mains et il me souffle dessus une haleine de mort. Je ne suis pas malade, je suis en amour. J'aime Martin, j'aime me souvenir quand nous jouions ensemble. Nous jouons toujours ensemble. Je ne sais pas s'il a récupéré la clé. Il était triste lorsque je l'ai laissé tomber. C'était celle du cabanon de mon père et Martin a toujours eu peur de mon père. Je crois que le père de Martin, c'est un peu comme le dieu de mon père. La clé est tombée dans un terrier à côté du cabanon. Il pleurait comme un enfant. Martin, mais je l'aime quand même. Ok, en fait, la gamine était en mal d'amour, apparemment. Enfin, avait un gros chagrin d'amour, et c'était pour ça qu'elle paraissait malade. Bon. Maman pleure souvent quand elle croit qu'elle est seule. Elle n'a aucune bonne raison de le faire. Maman est idiote parfois, papa travaille beaucoup. C'est à cause de l'anglais qui achète tout. Les notaires servent à ça. Ils s'assurent que ceux qui achètent quelque chose possèdent bien ce qu'ils achètent. C'est compliqué, mais c'est comme ça que papa l'explique. L'anglais n'est pas aussi méchant
que me le raconte Martin. Quand il a vu ce matin au bureau de papa, il a dit « Appelle-moi oncle Willy ». J'ai trouvé ça bien drôle. Et comme un oncle, il m'a donné un bonbon. Il était vieux et sec. Mais un bonbon, c'est un bonbon. Papa s'entend bien avec l'anglais. Je crois qu'il riait de sa drôle de façon avec lui. De l'anglais, ouais. Comme quand il rit après la messe avec monsieur le curé. D'accord, c'est plus un rire social que... il a fallu que j'avale des horribles médicaments du docteur Beaupré, parce que sinon il a dit que je n'aurais jamais vu Noël depuis des semaines. Putain, il est vraiment compétent ce docteur, parce que voilà quoi, une gamine qui se laisse dépérir pour des problèmes psychologiques ou des réels problèmes de santé, ça se voit. Enfin, quand on est médecin, ça se voit quoi. Je sais pas, un minimum. Alors je dis ça, moi je suis pas du tout médecin, mais le trois quarts de ma famille est dans le domaine médical. Je veux dire, une enfant qui cesse de déprimer parce qu'elle est triste ou qui a vraiment des nausées ou des trucs comme ça, je veux dire, tu donnes pas des médocs quoi. Depuis des semaines, je n'ai pas vu Martin, et depuis des semaines non plus, je suis allé à l'école. Tous les matins, papa faisait ses prières à genoux devant mon lit, et tous les soirs avant le coucher. Aussi aujourd'hui, il est allé à la chasse avec l'anglais. Il m'a dit que dans mes prières, je devais demander à Dieu de bénir l'anglais. Ok. Je crois que c'est en rapport avec les médicaments que seuls les riches anglais peuvent payer. Papa m'a dit que toute sa vie il prierait pour l'oncle Willy. Dieu, monsieur le curé, l'oncle Willy, je me demande quand papa attend de prier pour le Père Noël. 28 septembre, maman est idiote plus que jamais et elle devient grosse. Elle pleure comme un petit chiot qu'on vient d'acheter. C'est très pénible. J'ai revu Martin aujourd'hui. Il m'a semblé un peu maigre et un peu sale. Il n'est pas aussi chic que l'oncle Willy, par exemple. Alors, qui est ce fameux Martin? Ah, zut, excusez-moi. J'ai pas les doigts sur les bonnes touches. Ok, au niveau des jouets, là-haut, il n'y a rien. La porte ne se referme pas, ça? D'accord. Ok. On a appris des choses. Un petit peu sur le background de... On va remplir la deuxième bouteille, je pense. Porte de sortie ici. Il y a une balle bleue là. Je vais pas sortir pour le moment. Je termine de vérifier tout. Si c'est découvert. Je refais un tour rapide de la maison. Je veux rien rater. Hein. La belle famille catholique typique. Laquelle peuplait les églises tous les dimanches. J'ai marché sur quelque chose. Quand j'ai regardé la photo, ça a tremblé. Je sais pas pourquoi. De lampe ici. J'ai regardé là-dedans ou pas? Ouais, y'a rien. Ok. Bon. La télévision est de l'autre côté. Où est-ce que la télé fonctionne? Non, il n'y a que de la neige.
C'est quoi, c'est... Le bon Paul VI et sa pose papale. Avec ses doigts crochetés, on le sentait sur le point d'accomplir un miracle. Paul VI. Alors attendez. Parce que un truc que je voudrais savoir, moi, c'est l'époque dans laquelle on se trouve. Donc Paul VI. Si c'est le prêtre actuel, je prends mon téléphone. Pape Paul VI, Bang WFR. Alors, Paul VI, date de naissance 26 septembre 1897. Béatifié en 2014 par le pape François. Élection en Pontificat en 63. Intronisation le 30 juin 1963. Donc c'est ça, on est dans les années 60. Fin du pontificat en 1978. Donc on se trouve entre 1963 et 1978. Donc on se trouve dans les années 60 ou 70. Voilà. C'est l'époque où on est. Et voilà, un tout petit détail de background et hop, vous avez l'époque de situé. Ok. En même temps, c'est vrai, quand on voit la tronche des frigos, c'est... Ah! Des allumettes. Ah oui, j'ai toujours pas cette corde. Alors, il faut que je trouve cette corde. Je peux me permettre de... Avec la neige soudaine, Carl se demanda s'ils avaient eu le temps de cueillir les patates tardives. Ouais, est-ce qu'on peut récupérer quelques patates? Non? Bon. D'accord, si... Alors, parler d'un cabanon. Par contre, c'est vrai qu'on y voit que... Alors, attendez, je vais voir pour faire un truc. Donc, si le cabanon, c'est ça. Parler d'un petit terrier à proximité. Je me fie au journal de la petite fille. Hein. De Marie. C'est quoi ça? Ok, il y a un monticule de terre un peu bizarre. Bon. Je vais retourner dans la grange voir s'il n'y a pas une corde. Quelque chose qui ressemble à une corde. Peut-être accroché, non? Une vieille voiture avait été stationnée ici. Carl était capable d'imaginer le gros véhicule du notaire avec la grande banquette arrière pour toute la famille. Ah non, ça éclaire pas non plus les masses. Non, il n'y a pas de corde ici. Alors,
dans les poubelles, non? C'est quoi ces bonbonnes de gaz là? Attendez, j'ai un... Oula! Ok, excusez-moi, j'avais une fenêtre en bas à droite, je l'ai coupée. C'est bizarre ces trucs là. Bon. Alors soi-disant qu'il y aurait quelque part un cabanon. Alors attendez, je voudrais faire un truc. Hop. Non, c'est pas ce que je voulais. Retour. Graphique. Champ de vision. Ah d'accord, c'est ça le champ de vision, c'est un focal. C'est pas un... Distance de rendu, je maximum. Donc on peut pas faire mieux. On peut pas voir plus loin. Checkpoint de contrôle. Oh cool. Je peux revenir à n'importe quel moment, d'accord. Mais je perds du temps, je suppose. Bon, attendez. Il y a des empreintes, je les suis. Je vais me perdre dans le froid. Ouais, je vais me perdre dans le froid. Pas une bonne idée. Mais j'ai quelque chose. Que je marche là, mais... Avec ce froid, Carl sentait déjà plus ses orteils. J'ai pas de bûche sur moi, ce qui fait que... Ouais, chut. Si je récupère pas, enfin si je retrouve pas rapidement... Je crois que je suis paumé. Je me suis paumé. Bon, je peux toujours reprendre un point de contrôle précédent, mais... Non, je suis en train de mourir de froid. Clairement, je suis en train de mourir de froid. Si je continue par là, je vais rejoindre la station service.
Ok. J'ai voulu suivre une piste. Ça s'est plutôt mal passé. Oh, je vais mourir de... heureusement, parce que j'allais mourir de froid si je... Alors juste une question, il est où le poêle ici? Bon, ben il va falloir qu'on y retourne à pied. J'espère que ça va le faire à pied. Mais ouais, si j'ai réussi à faire l'aller... Dommage qu'on puisse pas se faire un TP rapide. Le magasin et ses alentours n'avaient pas livré tous leurs secrets, pressentait Carl. Il n'aimait pas passer à côté de quelque chose. Ah, bah ça nous fait un pas commun. Moi non plus, je n'aime pas passer à côté des choses. Attendez, alors il y a quoi? D'accord, en fait il y a des camps. Proximité. Donc, je vais essayer de couper à travers. Couper vraiment à travers champ pour aller le plus rapidement possible. Ok, petit temps de chargement. Ça ramouille. Ah, c'est bon. Bon, là je devrais arriver pile sur ma bagnole. Et on passe à la maison suivante. À la maison précédente plutôt, parce que je me suis pas arrêté. Je pense que je vais, c'est juste vraiment par mesure de précaution, mais normalement je crains rien. Dans l'état actuel des choses, je crains rien, mais je vais quand même me réchauffer rapidement. Ok. J'avais vraiment pas pour longtemps, hein. C'est juste que voilà. Alors, cette carte, tu vas la ranger, s'il te plaît. D'accord, quand j'appuie sur tabulation, je sors de ma voiture. Parce que c'est pas ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était la carte. Alors. On est là, donc il faut que je rejoigne la route et que je parte à droite. Mais je suis dans la bonne direction. C'est bon, t'es juste là. Ok, petit temps de chargement encore. Pas ma bouteille d'eau. Je vais faire tout de suite.
Voilà, c'est pas ce que je voulais faire du tout. C'est tout de suite. Hop, voilà. Tout de suite me remettre dans le bon sens, prêt à partir. Parce que mine de rien, les véhicules, c'est pas si facile que ça. Ok. Alors. Est-ce que c'est ici que vivait la famille Blé? J'ai pas vu s'il y avait un titre. C'était la maison canadienne classique, mais sans la flopée d'enfants qui grouillait normalement. On a pris la fuite, ça devient trop dangereux. À Mashtan Nord, on sera plus nombreux, plus en sécurité. Jan Roy. Ok. On avait ici la famille Roy. J'ai ce qu'il faut. Hein. Wouh! Le salami là, il me fait bien envie. Ouh! C'était très.